Bonjour, chers apprenants. Je suis M. Samba Jean-Eudes, professeur d'histoire et géographie au secondaire. Et donc, aujourd'hui, nous allons voir une leçon de géographie, n'est-ce pas, portant sur l'organisation des activités industrielles et leurs problèmes au Congo. Bien, comme vous le savez, pour son développement économique, le Congo dispose de plusieurs activités, dont l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'exploitation forestière et les activités industrielles sur lesquelles va porter notre cours d'aujourd'hui. Donc, notre leçon du jour porte sur l'organisation des activités industrielles et leurs problèmes au Congo. Cette leçon se subdivise en deux grandes parties. D'abord, nous verrons comment sont organisées les activités industrielles et après, nous verrons les problèmes auxquels sont confrontées ces activités industrielle. Donc, ceci dit, nous commençons d'abord par voir comment est organisée ou bien sont organisées les activités industrielles. Donc, c'est la première partie que nous allons voir. Donc, l'organisation des activités industrielles. C'est la première grande partie. L'organisation des activités industrielles. L'organisation des activités industrielles. Bien, comment sont organiser les activités industrielles au Congo. Donc, les activités industrielles au Congo s'articulent autour des bases de l'industrie, autour donc des bases et des principales industries. Donc, bases et principales industries. Voilà comment sont organisées, n'est-ce pas, les activités industrielles au Congo. Donc, d'une part, nous avons les bases du développement industriel et puis les principales industries que nous avons au Congo. Commençons par les bases. Quelles sont les bases, n'est-ce pas, du développement industriel au Congo? Les bases du développement industriel du Congo. Les bases du développement industriel. Mais qu'est-ce qu'on entend par base? Qu'est-ce qu'on entend par base? Parlons des bases du développement industriel. Mais qu'est-ce qu'on entend par base? Les bases, ce sont donc les différentes matières qui permettent à l'industrie de fonctionner. Donc ces bases au Congo sont constituées, n'est-ce pas, des sources d'énergie et des matières première. Donc, ce sont des matières qui permettent à l'industrie, n'est-ce pas, des éléments. Bon, matière, peut-être que c'est trop compliqué parce qu'il y a encore matière première, mais ce sont des éléments, les bases sont donc des éléments qui permettent, n'est-ce pas, à l'industrie de fonctionner. Mais quels sont donc ces éléments qui permettent à l'industrie congolaise de fonctionner? Donc, c'est ça que nous allons voir dans cette partie.
Ici où nous avons d'abord, dans ces bases, nous avons les sources d'énergie et les matières premières. Donc les sources d'énergie. Les sources d'énergie et les matières premières. Donc ce sont là les bases du développement industriel au Congo. Les sources d'énergie et les matières premières. Commençons d'abord par les sources d'énergie. De quoi sont constituées les sources d'énergie au Congo? Donc l'énergie produite au Congo provient de quelle source d'énergie que nous avons au Congo? Et à ce sujet, nous allons dire que l'énergie produite au Congo provient de deux principales sources. D'une part, nous avons la source hydroélectrique et de l'autre, nous avons la source thermique. Donc, voyons d'abord la source hydroélectrique. La source hydroélectrique. Hydroélectrique. Donc, l'énergie produite par un cours d'eau. La source hydroélectrique. Et ici, en ce qui concerne l'énergie hydroélectrique, celle-ci provient, n'est-ce pas, des différents barrages que nous avons au Congo. Le Congo dispose de 4 barrages, mais actuellement, il y a 3 en fonctionnement. 3 en fonctionnement. Donc, qui sont le barrage d'Imbulu, le barrage d'Imbulu sur l'allée finie, le barrage d'Imbulu sur l'allée finie, avec une capacité de 120 mégawatts, le barrage d'Imbulu, donc sur l'allée finie, avec une capacité de 120 mégawatts. Le deuxième barrage en fonctionnement est celui de Moukoukoulou, donc le barrage de Moukoukoulou. Barrage de Moukoukoulou sur la Bouenza avec une capacité, n'est-ce pas, de 74 mégawatts et le troisième barrage en fonctionnement est celui de l'Ouesso, le barrage de l'Ouesso, sur le barrage de l'Ouesso sur la Kandeko, avec, n'est-ce pas, une capacité de 19,2 mégawatts. Voilà les 3 principaux barrages hydroélectriques que nous avons au Congo, qui sont fonctionnels. Celui du Dué est aux arrêts depuis les troubles sociopolitiques que le pays a connus. Voilà donc les 3 barrages que nous avons au Congo. Donc, barrage d'Imbulu sur l'allée finie, avec une capacité de 120 MW,
Le barrage de Mukukulu sous la Bouenza avec une capacité de 74 MW et le barrage de Liweso sous la Kandeko avec une capacité de 19,2 MW. Mais en dehors de la source hydroélectrique, nous avons dit que l'énergie produite au Congo provient aussi, n'est-ce pas, des différentes centrales thermiques que nous avons au Congo. Donc, en dehors de la source hydroélectrique, nous avons également la source thermique. La source thermique, donc l'énergie produite par les centrales électriques. Et ici, dans ces sources, le Congo dispose de deux centrales électriques à Pointe-Noire. Donc ces deux centrales sont toutes situées à Pointe-Noire. Il y a la centrale, excusez-moi, il y a donc la centrale de Dieno, il y a la centrale de Dieno, la centrale de Dieno, avec une capacité de 50 mégawatts. Centrale de Dieno, avec une capacité de 50 mégawatts et la centrale électrique du Congo. Et la centrale électrique du Congo, donc située à la côte Matève, située à la côte Matève, avec une capacité de 484 mégawatts. Voilà donc les différentes sources d'énergie que nous avons au Congo. Donc, l'énergie que nous utilisons au Congo proviennent soit des barrages hydroélectriques, soit, n'est-ce pas, des centrales thermiques. Ça, ce sont les différentes sources d'énergie. Mais pour que l'industrie se développe au Congo, il faut également, en dehors de ces sources d'énergie, il faut également des matières premières. Quelles sont donc ces matières premières? Donc, c'est ça que nous allons voir dans cette partie. Donc, en dehors des sources d'énergie, nous avons également les matières premières. Les matières premières. Nous sommes sur les matières premières. Les matières premières, n'est-ce pas, permettant le développement industriel du Congo, sont de trois sortes. Nous avons des matières premières d'origine agroforestière, des matières premières d'origine minière et des matières premières d'origine énergétique. Commençons d'abord par les matières premières d'origine énergétique. Agroforestière. Les matières premières d'origine agroforestière. Quelles sont les différentes matières premières d'origine agroforestière que nous avons au Congo, donc permettant le développement industriel du Congo. Donc ici, d'origine agro, donc de l'agriculture, ce que nous cultivons, et
forestière, c'est que nous exploitons de la forêt. Donc, quelles sont ces différentes matières premières? Donc, ici, nous commençons par les matières d'origine agricole. Donc, nous avons, par exemple, la canne à sucre. La canne à sucre. Le palmier à huile. Le palmier à huile. L'arachide. L'arachide. Le café. Le café. Le cacao. Et d'origine forestière, nous pouvons citer le bois. Voilà les principales matières premières d'origine agroforestière que nous avons au Congo. Il y en a d'autres, mais les principales. Donc, nous avons la canne à sucre, le palmier à huile, l'arachide, le café, le cacao et le bois. Les matières premières d'origine minière, les matières premières, d'origine minière sont diverses. D'origine minière sont diverses, excusez-moi, sont diverses. On peut citer entre autres l'or que nous trouvons, n'est-ce pas, dans l'or que nous trouvons dans le Mayom. L'or dans le Mayom. L'or, nous l'avons également dans la cuvette ouest, notamment à Kélé. À Kélé, dans la cuvette ouest. En dehors de l'or, nous avons également comme matière première d'origine minière, n'est-ce pas, des polymétaux, Lorsque nous parlons des polymétaux, nous faisons allusion, n'est-ce pas, au cuivre, au plomb et au zinc. Les polymétaux, nous les trouvons, n'est-ce pas, à Mindouli. Donc là, nous sommes dans le pool. À Mindouli. Dans le pool. Les polymétaux, nous les trouvons aussi, n'est-ce pas, dans la Bouenza, notamment en Fouati. Et à Bokosongo. En dehors de l'or et des polymétaux, nous avons également, comme matière première d'origine minière, nous avons de la potasse. Et des phosphates. De la potasse
et de phosphate dans le cuilou. Dans le cuilou. Et en dehors donc, de ces matières premières d'origine minière, nous avons également, n'est-ce pas, du fer. Du fer dans la lekoumou. Dans la lekoumou. Notamment à Zanaga, à Bambama, dans le Niari également, nous trouvons du fer. Dans le Niari, nous avons le fer à Mayoko. Dans la partie septentrionale du pays, nous avons également le fer dans la Sanga. Dans la Sanga, notamment à Sembe et à Swank. Voilà les principales matières premières d'origine minière. Donc nous avons l'or dans le Mayom, à Kélé dans la cuvette ouest. Nous avons aussi des polymétaux, donc le cuivre, le plomb et le zinc, à Mindouli dans le Poule, à Mfouati et Bokosongo, là nous sommes dans la Bouenza, de la potasse et des phosphates dans le Kouilou, du fer dans la Lekoumou, notamment à Zanaga et Bambama, dans le Niari, nous avons le fer à Mayoko, et dans la Sanga, nous avons le fer à Sembe et à Swank. Bien, ça c'était les matières premières d'origine minière. Donc, comme au départ nous avons dit que les matières premières sont de trois sortes, donc là, nous avons déjà deux. Donc, il manque une sorte. Donc, c'est cette dernière catégorie de matières premières que nous allons voir maintenant. Donc, ce sont les matières premières d'origine énergétique. Les matières premières. Les matières premières d'origine énergétique. Et dans cette catégorie, nous avons principalement les hydrocarbures. Les hydrocarbures. Et lorsque nous parlons des hydrocarbures, nous faisons allusion au pétrole et au gaz naturel. Donc, lorsque nous parlons des hydrocarbures, nous faisons allusion au pétrole et au gaz naturel. Et à ce propos, nous pouvons dire que le Congo dispose d'importantes réserves pétrolières et gazières dans le littoral. Bon, nous allons revenir dans les principales industries sur le cas du pétrole. Bon, donc voilà les trois catégories de matières premières que nous avons au Congo. Donc nous avons les matières premières d'origine agroforestière. Nous avons encore les matières premières d'origine minière et enfin, nous avons les matières premières d'origine énergétique constituées essentiellement des hydrocarbures.
Donc voilà les bases du développement industriel du Congo. Donc constituer des sources d'énergie et des matières premières. Mais maintenant, ces sources d'énergie sont, donc ces bases sont à l'origine du développement industriel du Congo. Maintenant, quelles sont les principales industries du Congo? Donc c'est notre petit 2. Parce que ces bases sont à l'origine, n'est-ce pas, de l'érection des industries au Congo. Donc, quelles sont les principales industries que nous trouvons au Congo? Les principales. Les principales industries. Les principales industries. Bien. Les principales industries, bon, permettez-moi que je passe un coup de chiffon ici. Donc, les principales industries du Congo se répartissent en deux catégories. Les principales industries du Congo se répartissent donc en deux catégories. D'une part, nous avons les industries extractives. Les industries extractives. Et d'autre part, nous avons les industries de transformation. Donc nous avons deux catégories d'industries au Congo. Donc nous avons d'un côté les industries extractives et de l'autre les industries de transformation. Mais quelles sont les industries que l'on trouve dans cette première catégorie, donc dans les industries extractives. Donc les industries extractives, ce sont les industries dont l'activité consiste à extraire, n'est-ce pas, les matières premières pour être transformées. Donc quelles sont les industries concernées par cette activité? Donc les industries extractives, d'abord. Dans les industries extractives, nous avons deux types. D'une part, nous avons les industries minières. Les industries minières telles que la société chinoise Loulou. Qui exploite le gisement polymétallique de Mindouli et, n'est-ce pas, la Soremi, la société de recherche et d'exploitation minière, qui exploite les polymétaux en Fouati et à Bokosongo. En dehors des industries minières, nous avons également une autre catégorie des industries extractives, c'est donc l'industrie pétrolière. L'industrie pétrolière. L'industrie pétrolière. Et à ce sujet, nous allons dire que l'extraction du pétrole au Congo est l'œuvre de deux principales sociétés qui sont donc Total, la société Total,
et Eni. Ces deux sociétés exploitent plusieurs gisements offshore et onshore. Donc, plusieurs gisements offshore et onshore. Onshore. Donc, gisements offshore. Donc, dans l'eau. Donc, l'exploitation se fait dans l'eau, dans l'océan. Et onshore, c'est sur terre ferme. Donc, des gisements de deux catégories. Donc, onshore et offshore. Pour une production journalière de 250 000 barils. 250 000 barils, ce qui place le Congo au quatrième rang des pays producteurs de pétrole, n'est-ce pas, au sud du Sahara, après le Nigeria, n'est-ce pas, le Nigeria, la Guinée équatoriale et l'Angola. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur l'industrie pétrolière. Bien, ça c'était la première catégorie des industries extractives, donc qui sont constituées des industries minières et pétrolières. En dehors des industries extractives, parmi les principales industries que nous avons au Congo, nous avons également les industries de transformation. Les industries extractives, n'est-ce pas, extraits, donc tirent du sous-sol les matières premières destinées à être transformées. Maintenant, nous passons aux industries qui transforment maintenant ces matières premières produites par les industries extractives. Donc, les industries de transformation. Les industries de transformation. Les industries de transformation. Donc, celles-ci sont constituées des industries alimentaires et des industries, n'est-ce pas, des industries de biens, d'équipements et produits divers. Donc, dans cette catégorie, nous avons également deux types d'industries. D'une part, nous avons les industries alimentaires et d'autre part, nous avons les industries de biens d'équipement et produits divers. Commençons par les industries alimentaires. Les industries alimentaires, elles sont diverses. Nous avons des brasseries telles que Bralico, Brasco, Sovenco. Nous avons également dans les industries alimentaires, n'est-ce pas, nous avons également une sucrerie en caillis, donc Saris. Nous avons également deux huileries, une, n'est-ce pas, en caillis, donc Eco-Hall, qui s'occupe en caillis, c'est pour la production d'huile, et Amokeko, c'est pour l'huile de palme, donc Sanga Palme, Amokeko. Nous avons également, n'est-ce pas, en dehors des huileries, nous avons également comme industrie alimentaire, nous avons à Pointe-Noire deux minoteries. Il y a Minoko et les grands moulins du Kwilu. Voilà pour les principales industries alimentaires. En dehors des industries alimentaires, nous avons également des industries, n'est-ce pas, des biens d'équipement et produits divers, tels que Alu Congo,
n'est-ce pas, qui fabrique les tôles et les objets, n'est-ce pas, de cuisine, les ustensiles de cuisine. Dans les industries, n'est-ce pas, de biens d'équipement et produits verts, nous avons également des cimenteries telles que Diamant Cement, Amindouli, nous avons Dangote Amadingou, nous avons Sonoc à l'OTT et nous avons Force Pack à Dolisie. Il y a même CIMAF aussi dans le Kouilou. Dans les industries de biens d'équipement, nous avons également des industries chimiques telles que la CORAF. Ça, c'est chimie, hein? Pétrochimie, bien sûr. Voilà donc les deux principales industries de transformation que nous avons. Les industries alimentaires et les industries de biens, d'équipements et produits divers. Mais à côté de ces deux types d'industries de transformation, nous avons également, n'est-ce pas, une autre catégorie d'industries. Donc, ce sont les industries constituées par les petites et les moyennes industries, telles que, n'est-ce pas, les boulangeries, les laiteries, l'eau minérale. Nous avons également des industries du bois, avec les scieries, les usines de déroulage et de tranchage du bois, etc. Voilà donc les deux principales industries que nous avons. Mais à côté de cela, il y a des petites et moyennes industries également. Bien, voilà donc comment est organisé, comment sont organisées les activités industrielles au Congo. Mais comme notre leçon comporte deux parties, nous allons passer maintenant aux problèmes auxquels sont confrontées les activités industrielles au Congo. Donc, c'est notre deuxième grande partie. Bien. Excusez-moi que nous mettons un coup de chiffon ici. Donc, les problèmes de l'industrie congolaise. Les problèmes de l'industrie. Les problèmes de l'industrie. Bon, ici, nous allons tout simplement retenir que l'industrie au Congo est confrontée à plusieurs problèmes d'ordre physique, humain et technique et économique et organisationnel. Maintenant, sur le plan physique, quels sont les problèmes auxquels sont confrontées les activités industrielles au Congo? Donc, sur le plan, c'est le petit, hein, sur le plan physique, sur le plan physique, sur le plan physique. Donc, certaines contraintes physiques ne favorisent pas la mise en valeur, n'est-ce pas, de certains gisements. C'est le cas de l'inondation de certaines zones de la cuvette congolaise. Donc, pour exploiter les gisements dans les zones inondées ou dans les zones marécageuses, ça pose problème. Ça, c'est le problème fondamental pour l'exploitation, n'est-ce pas, des gisements au Congo. Donc, l'inondation d'une bonne partie, n'est-ce pas, de la cuvette congolaise. Sur le plan humain et technique, le plan humain et technique, sur le plan humain
et technique, l'industrie congolaise, n'est-ce pas, se heurte à l'insuffisance, n'est-ce pas, de la main-d'œuvre qualifiée et à la mauvaise utilisation des cadres. Voilà les deux problèmes majeurs qui minent le développement de l'industrie au Congo, sur le plan humain et technique. Enfin, sur le plan économique, et organisationnel, les problèmes sont nombreux, très nombreux même. Mais nous n'allons pas tous les citer, nous notons les plus importants. Donc, ici, nous avons d'abord le mauvais état des voies de communication qui ne facilite pas, n'est-ce pas, la distribution des produits, n'est-ce pas, dans tout le pays. Il y a également le problème de l'insuffisance dans la fourniture de l'électricité. Insuffisance dans la fourniture de l'électricité qui empêche que certaines industries puissent bien fonctionner. Même certaines industries sont aux arrêts faute de fourniture en électricité. Et il y a également un problème, n'est-ce pas, du manque d'un code d'investissement attractif. Le code d'investissement, n'est-ce pas, est moins attractif à cause, n'est-ce pas, de plusieurs contraintes. Il y a trop de contraintes dans ce code. Si bien que, n'est-ce pas, les investisseurs ne veulent pas venir, n'est-ce pas, mettre la tête. Trop de contraintes. Donc, si, voilà les raisons qui font que l'industrie congolaise, sur le plan économique et organisationnel, ne puisse pas se développer. Bien. Donc, voilà l'organisation, donc notre leçon, l'organisation des activités industrielles et leurs problèmes. Que faut-il retenir? Donc, je résume tout ce que nous venons de voir. Donc, les activités industrielles au Congo sont bien organisées. Malgré, n'est-ce pas, des bases industrielles, n'est-ce pas, assez favorables, mais ces activités connaissent de sérieux problèmes physiques, humains et techniques, et économiques et organisationnels. Voilà ce que nous pouvons retenir. Mais nous n'allons pas nous séparer comme ça. Vous avez, n'est-ce pas, un devoir que vous devrez réaliser, comme d'habitude. Donc, le sujet porte sur la leçon que nous venons de voir. Donc, vous allez expliquer l'organisation des activités industrielles et leurs problèmes au Congo. Voilà, notre travail, donc, consiste à expliquer l'organisation des activités industrielles et leurs problèmes au Congo. Dans ce genre de sujet, vous savez combien de parties nous honorons. La démarche, la méthodologie, vous la connaissez déjà. Voilà donc ce que nous pouvons retirer pour aujourd'hui. Donc, à nous revoir à la prochaine séance.